Donc, pour rappel, on parle aujourd'hui du projet Guyanimité. N'hésitez pas à partager la vidéo, à faire savoir qu'on est en live avec Marc Mougès, donc praticien de Guyane française, qui va nous parler de son attachement aux plantes médicinales et son application dans le projet Guyanimmunité. Donc, Marc Mogès, président de l'association La Vie Nous Gangan. Il y en a beaucoup qui connaissent cette association. On va pouvoir en découvrir un peu plus aujourd'hui. N'hésitez pas à partager le lien. Super. Donc, peut-être, Claudiane, on pourrait faire une petite introduction, tu sais, contextuelle du projet Guyane Immunité, un petit peu pour remettre à jour tout le monde, ceux qui n'ont pas encore entendu parler du projet. Donc, juste une petite mise en contexte. D'accord. Alors, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure. Donc, nous sommes actuellement à notre quatrième ou cinquième live. Alors, à chaque fois, je ne me rappelle plus des noms. Donc, nous sommes voilà, à notre cinquième live avec M. Marc Mougès dans le cadre du projet Guyane Immunité. Donc, c'est un projet qui a démarré suite à, qui a, comment dire, qui a pris naissance suite à la crise. Suite à la crise du COVID, de la COVID qu'on a connue cette année. Donc, effectivement, il y a eu ce besoin, ce retour à la nature et c'est surtout ce besoin de se soigner à travers, en fait, la nature grâce à des plantes qui vont stimuler, en fait, nos défenses immunitaires, qui vont stimuler notre système immunitaire. Et donc, du coup, commencer à la Guyane, c'est quand même une région, donc on est, voilà, dans. On est dans le bassin amazonien, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on a quand même une très grande biodiversité de nombreuses plantes qui sont encore à découvrir et qu'on connaît aussi. Et de par cette richesse, on sait qu'il existe des plantes qui peuvent soigner, qui ont un grand potentiel pour nous aider en fait à nous renforcer, à nous rendre plus forts face à ces pandémies, que ce soit dans le cas de la crise du Covid, mais également dans d'autres pathologies, pour d'autres pathologies peut-être à venir, je ne l'espère pas, mais on ne sait jamais. Et donc, dans le cadre de Guyane Immunité, nous sommes entourés d'un panel d'experts qui nous aident justement à mettre en place ce projet depuis l'approvisionnement de la matière première jusqu'à la livraison, en fait, à la réalisation de vos coupes de plantes. Donc, sur la plateforme de KissKiss Bang Bang, nous avons mis en place en fait plusieurs coups frais. En fonction donc, du prix auquel que vous mettez, vous savez que soit vous avez des plantes avec des plantes séchées avec le guide, soit vous avez en plus des graines, soit vous avez carrément la masterclass. Et donc là, dans le cadre de la masterclass, on vous apprend quelles sont les plantes qui soignent, comment elles soignent, comment les utiliser, quelles parties prendre, etc. Comment réaliser la préparation. Et donc, le projet est soutenu. Donc, c'est un projet qui est soutenu par notre entreprise, Biostratégie Guyane. Donc, Biostratégie Guyane, ils sont basés à GDI. Et c'est une entreprise, en fait, qui a pour but donc, le développement et la valorisation, en fait, des ingrédients actifs. Donc, à partir toujours de notre chère nature, notre Amazonie qui en regorge. Et voilà, donc, nous, on a vraiment pour but de valoriser la nature et de montrer, en fait, qu'elle est là pour nous aider, qu'elle collabore, en fait, en collaborant, enfin, elle collabore plutôt avec nous, et elle nous aide, en fait, à nous sentir mieux, et elle est juste magnifique, en fait, cette nature. Donc, voilà. Et donc, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore participé, n'hésitez pas, la cagnotte est encore ouverte jusqu'à fin août, jusqu'au 21 août. N'hésitez Exactement. pas, soutenez-nous, et sachez que, voilà, le projet est vraiment lancé, donc là, on est en train de tout faire, de tout mettre en place, et l'approvisionnement est en cours et tout se fait, tout se, comment on dit, se décompose petit à petit. Donc, Voilà. Effectivement, donc Guyane Immunité, un projet qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce que dans le cadre de cette crise Covid, on a réalisé, en fait, on a conscientisé que on doit utiliser de façon plus permanente notre nature, notre environnement pour nous aider à nous adapter à ce territoire, à survivre sur ce territoire, à vivre bien sur ce territoire. Et ça, c'est grâce à notre nature qu'on pourrait le faire. Ça pourrait aussi nous permettre de développer des filières économiques qui auraient des retombées directes sur des emplois en Guyane, des filières de production, des filières de transformation, de valorisation de ces bioressources-là. Elles ne sont pas encore développées en Guyane et je pense qu'il est temps, avec
avec cette crise de réaliser qu'il est temps de se prendre en main, de prendre en main notre environnement et de montrer qu'on est fort de propositions et qu'on est capable par nous-mêmes de soutenir des filières économiques liées à cet environnement-là. Et donc, les plantes médicinales, on ne peut pas passer à côté. Un, parce que c'est une part de la solution dans des thérapies face à des épidémies virales, comme c'est le cas de COVID. Ça doit être une partie de la solution. Et puis, d'un autre cas, parce que ce sont des plantes qui sont connues depuis des années, qui sont utilisées par nos peuples depuis des années et qu'aujourd'hui, elles ne nous permettent pas encore de vivre, alors qu'elles devraient nous permettre aussi de vivre, de développer une économie, de développer des métiers, de développer des spécialités. Et Marc Mogès, qui est ici avec nous aujourd'hui, pourra nous en dire plus parce que ça fait longtemps qu'il milite pour l'utilisation de ces plantes médicinales-là, qu'il pratique sur le territoire. Beaucoup d'entre vous ont déjà eu affaire à lui. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important de démocratiser ça, de pouvoir en parler et de pouvoir assumer, nous, Guyanais, que oui, les plantes médicinales font partie de notre terroir, font partie de notre pratique courante et quotidienne. Et puis là, pour le démocratiser, il faut rendre ça légal, conventionnel, standardisé, qualité. Oui, c'est vrai qu'il y a un travail là-dessus à faire. Alors, faisons-le et commençons avec Guyane Immunité. Donc, aujourd'hui, bienvenue Marc Mogès, bienvenue avec nous. Merci, merci, merci d'avoir accepté votre participation à ce live, mais aussi à ce projet. C'est très important pour nous. Et donc, voilà, on aimerait ça que vous partagiez avec les internautes votre parcours, qui vous êtes, pourquoi, en fait, vous êtes, on dit de vous que vous êtes un tradit praticien, et quel est votre rapport avec la nature et ces plantes médicinales guyanaises? Oui, bonjour à tous les internautes. Donc moi, mon parcours est très simple. Mon parcours, c'est que j'ai été élevé par mon grand-père. Et il faut quand même savoir, dans les années, jusqu'aux années 60, on n'avait pas des médecins à tous les coins de rue. Donc, on était... Donc, depuis tout petit, j'ai baigné dans ça avec mon grand-père, ma grand-mère, parce que c'était tout ce qu'on avait, c'était les plantes médicinales. Même les caries dentaires, c'était les plantes médicinales. Il n'y avait pas de dentiste à tous les coins de rue. Et puis, avec les connaissances que j'ai eues de par mon grand-père, il y a quelqu'un quand même que je tiens à remercier parce que c'est lui qui m'a vraiment encouragé à aller au plus au fond, c'est Bruno Jonel. Un jour, il m'a dit, Marc, avec ce que tu connais, viens faire avec moi, viens faire dans mon émission, viens parler des plantes médicinales. J'ai accepté et j'allais avec lui, mais ma connaissance était très limite. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne vais pas me tourner vers, d'où le nom de l'association, vers Nogongon? Et à mon plus grand étonnement, quand je me suis retourné, parce que généralement, on entend toujours que les grandes personnes ne donnent pas leurs secrets, ne partagent pas. Et à mon plus grand étonnement, quand je me suis adressé aux grandes personnes, les grandes personnes m'ont ouvert leurs portes. Et c'est de là que je me suis enrichi. Ça m'a permis de m'enrichir, d'avoir toutes les connaissances que j'ai maintenant, parce que j'ai été voir les grandes personnes de Montjoly à Saint-Georges, et de Montjoly à Saint-Laurent. Donc, ensuite, à force de fréquenter, il y a comme une collaboration qui est encore plus... C'est même pas un cadre, on dirait même, ça crée un cadre familial. Mm-hmm. Un cadre familial, déjà avec les grandes personnes et avec leurs proches. Parfois, il y a des personnes qui sont déjà parties, et je rencontre soit un neveu, un petit-fils, qui me dit, monsieur Mouillet, ce n'est pas de moi. Je dis, je suis le petit-fils de monsieur Intel, etc. Donc, et c'est tout ça, qui m'a poussé. Et qu'est-ce qui a fait que je me suis attaché? C'est quand j'ai vu qu'avec le peu de connaissances que j'avais, qu'au début, j'ai pu aider des gens. Donc, je me suis dit, si j'ai pu aider les gens avec un peu de connaissances, pourquoi pas maintenant, maintenant que j'ai une plus grande acquisition, une plus grande maîtrise surtout la maîtrise. Pourquoi? Et c'est pourquoi ça fait... j'ai commencé ça en 90, les années 90, donc vous voyez jusqu'à maintenant. Donc, l'expérience est là. Ah oui.
vision et l'univers. Donc, dans le parcours, j'ai pu sortir un premier CD-ROM. Donc, à l'époque, on pouvait l'écouter sur l'ordinateur ou bien dans notre radio. Ensuite, j'ai sorti deux recueils. Après le recueil, j'ai sorti un DVD avec la région Guyane. Et puis, dernièrement, ça fait quand même près de 3 ans, 3 à 4 ans, j'ai sorti un deuxième DVD. Ça, c'était le DVD de La Vie de Gogo. Et Est-ce que puis, ces produits sont disponibles toujours, Monsieur Mogès, ou est-ce qu'on peut les trouver justement dois pour les faire des... personnes qui souhaitent s'informer? Il y a une demande, donc je dois faire des rééditions. Je pense D'accord. faire à bientôt. Ensuite, j'ai ce qui m'a poussé à le faire, c'est que j'ai à un moment, je me suis dit, bon, j'ai participé à un colloque des pharmaciens, D'accord. d'où il y avait même un professeur américain, etc. Donc, quand on est invité dans ce genre d'événement, ça ne peut que vous pousser à aller plus loin. Hein, j'ai eu pas mal de conférences avec Monsieur Joseph de la Guadeloupe, avec Monsieur Sainte-Rose de la Martinique. Et un jour, Monsieur Joseph, justement, on était au campus, on avait fait une conférence à deux. Il est venu me voir, il m'a dit, j'ai pas l'habitude de dire aux gens, mais je vous dis, Monsieur Mougès, belle maîtrise. Donc là encore, c'est quelque chose qui encourage. Et puis après, c'est quand j'ai mis des formations en place et j'ai vu l'engouement des gens. D'ailleurs, même j'ai lancé, j'ai partagé la pub pour aujourd'hui. Il y a même une élève, une ancienne, qui m'a demandé quand est-ce que je vais reprendre les formations. Et tout le temps, les gens me demandent, je leur dis, bon, maintenant, nous sommes à moins de 10 personnes par regroupement. Donc, on peut, là où je fais les formations, on peut avoir les distances, etc. Parce que c'est une grande salle, mais après, dans le jardin. Donc voilà, donc tout ça c'est encourageant et j'ai fait des conférences. J'ai même été invité à une conférence à Macapa. Donc voilà, c'est ça, c'est mon parcours. C'est mon parcours et je continue ce parcours et ça fait des années. Donc je ne dis pas que je connais tout, mais je dis que maintenant, arrivé à cette maintenant, je maîtrise mieux. Il y a une maîtrise, une connaissance. Et puis, voilà quoi. Ça, Oui, c'est... et vous avez mis en avant dans votre parcours le fait qu'il y a eu ce transfert de connaissances des anciens vers vous. Oui. Et aujourd'hui, je suppose que vous avez envie de cette même envie de transférer aussi à la nouvelle génération pour que ces connaissances-là perdurent. À travers vos recueils, vous le faites déjà, hein, vous transférez cette connaissance, vous la rédigez, vous la compilez, vous la mettez à disposition du grand public. Et aujourd'hui, je suppose que vous avez cette volonté de continuer à transférer afin que ça perdure sur le territoire, que les nouvelles générations se l'approprient. Alors, c'est pourquoi j'organise des conférences. J'organise pas mal de conférences et c'est pourquoi j'organise des formations. Donc, et maintenant qu'il y a cette opportunité de travailler avec vous, qui est un contexte de plus grande envergure, donc je dis que, comme vous l'avez précisé tout à l'heure là, parce que moi aussi, c'est mon idée, c'est de pouvoir développer. Les jardins de plantes médicinales. Donc, le fait de proposer, maintenant qu'il y a une proposition qui permet de grande envergure, je pense que surtout les agriculteurs, parce qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui ont des terres qu'ils n'utilisent plus, qui sont plus utilisables par rapport à ce qu'ils faisaient. Absolument. Jour, Utiliser. je prends l'exemple de Monsieur Christian Ibaï, qui m'a dit, bon, Mogès, j'ai au moins 3 hectares que je ne peux plus utiliser. Donc, si jamais un jour tu veux faire un jardin de plantes médicinales, il n'y a pas de problème, on s'arrange, on le fait. Donc, vous voyez, il y a des agriculteurs qui ont des parcelles. Et pourquoi pas? Moi, je pense que ces gens-là seront maintenant aptes et plus disponibles et plus disposés à faire, je ne sais pas, si on leur dit, ben, vous faites une plantation de canne Congo.
parce que bon, voilà, que la personne saura, en sachant qu'au bout, qu'à la fin, il y a quand même un travail qui se fait et qu'il y aura, même si ce n'est pas un gros pécule, mais au moins il y aura quelque chose et que cette terre abandonnée sera à nouveau valorisée. Voilà. Voilà. Absolument. Et justement, sur l'aspect tradit praticien, comment vous pouvez décrire ce métier, hein, parce que c'est un métier, à notre sens, c'est un métier qui devrait être encore plus valorisé au niveau de la France, qui est valorisé dans d'autres pays, comme on prend l'exemple de la Chine qui partage la médecine conventionnelle avec la médecine traditionnelle de façon légale et réglementaire. Comment vous arrivez à pratiquer la tradition médicinale sur le territoire guyanais et comment c'est perçu par le public d'après vous? Alors, j'arrive parce qu'il faut savoir qu'il y a une tolérance, de l'État vis-à-vis des territoires, donc Martinique, Guadeloupe, etc., puisque pour eux, c'est une tradition. Donc, il y a 2 ans, ça fait quand même 2 ans, je suis resté au téléphone avec un sénateur pendant plus de 2 heures au téléphone. Et c'est le sénateur Karam qui lui a donné mon numéro. Nous sommes restés. Et je ne sais pas si ça va aboutir avant la fin du mandat de ce gouvernement ou bien avant la fin du mandat. Ou si ce sénateur est à nouveau élu sénateur parce que c'est lui qui est en charge du dossier qu'il a mis. Nous sommes restés plus de 2 heures, pratiquement 3 heures, parce que c'est lui qui a fait la proposition et ils sont en train de travailler pour revaloriser ce métier. Donc, on a discuté, je lui ai donné mes idées et je lui ai dit que ça doit passer, même si ce n'est pas de grandes études, surtout pour les gens comme moi qui sont déjà sur le terrain, au moins par un certificat, par un diplôme certifié. Et que ce travail-là peut créer des emplois. Absolument. Et surtout que maintenant que nous parlons beaucoup d'écologie, donc c'est un développement écologique. Comme je lui ai dit, et en même temps, nous rendons à la terre ce qui appartient à la terre. La terre, ce sont les plantes, ça nous permet les endroits qui sont déboisés, eh bien, de replanter, de refaire, de redonner à la terre ce bien-être qui lui manque. Parce qu'une terre qui n'a que des mauvaises herbes, etc., est une terre qui ne vit pas. Mais une terre qu'on rend utile est une terre qui vit. Et il faut savoir que la terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre. Et nous avons perdu cette habitude. Les gens, comme je dis aux gens, nous avons cette habitude de connexion à la terre parce que nous avons toujours des chaussures aux pieds. À l'époque, nous étions connectés à la terre. Absolument. Nous étions bien nus. Et maintenant, nous sommes complètement déconnectés à la terre. Absolument. Oui. D'accord. Et il y a un véritable appel à la reconnexion et je pense qu'il faut voir cette crise du COVID qu'on appelle crise, c'est un mot que les médias utilisent. Après, est-ce qu'on veut dire crise ou l'éveil du COVID? On pourrait dire l'éveil grâce au COVID parce qu'en fait, c'est quand même aussi pour certaines, une partie de la population, en tout cas, j'ose l'espérer, c'est l'occasion de s'éveiller à ce type de connexion-là et de se réapproprier en fait cette connexion avec son environnement. Et pour nous, en fait, ça a été ça le rebond en fait pour notre entreprise, c'est de se dire on n'est pas là pour faire des produits pour faire des produits. Ce qu'on veut, c'est avoir des produits utiles pour l'humain et la planète. Alors vraiment, ça nous est venu comme une évidence au début, on a commencé à faire des fiches explicatives sur nos plantes médicinales qu'on a mis à disposition à tout le monde. Mais rapidement, on s'est dit non, il faut aller plus loin pour notre territoire. Il faut vraiment réattacher le peuple guyanais à ces plantes et aux plantes qui peuvent lui être utiles dans le cadre justement de ce type de situation notamment. Les plantes, c'est alimentaire, les plantes, c'est médicinal, les plantes, c'est la vie. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette reconnexion. Alors, du coup, je te laisse, Claudiane, continuer aussi. Aussi, les internautes, je voudrais juste vous dire que n'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour ça. Donc, nous, on pose nos questions, on profite hein, à M. Mogès. Donc, on échange avec lui, on a cette chance. Mais vous êtes là aussi, donc posez des questions. Moi, je relayerai vos questions, je les ai en visu. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le sujet, etc., tout ce que vous voulez savoir du projet.
Alors, du coup, vous avez dit que vous avez créé l'association La Vie Abondante. Oui. Et donc, dans quel, en fait, quel est votre rôle du coup dans le projet de Guyane Immunité, dans le cadre de votre association La Vie Abondante? Qu'est-ce que vous apportez à ce projet en fait? Bon, à ce projet, c'est ma connaissance. Et comme c'est bien dit, ce partage, pour moi, c'est l'occasion. Je le fais de mon côté, je dirais à petite échelle, comme j'ai fait des VD, etc. Mais là, c'est l'occasion d'avoir un plus grand nombre de participants. Et je vais vous dire une chose. Vous avez deux commerces. Vous passez devant ce commerce qui vendent les mêmes articles. Devant ce commerce, il y a cinq personnes. Devant l'autre commerce, il y a 50 personnes. Où est-ce que vous allez? Voilà. Voilà. Parce que si tout le monde va là, c'est que c'est mieux pour Voilà. lui, Donc, c'est plus vu, c'est valable que c'est mieux. Bon, c'est oui, mais voilà. ça, Donc, pour moi, c'est une base. C'est une base, c'est un moyen de toucher beaucoup plus de personnes et même d'amener les personnes qui n'y croient. Il y a des gens qu'il ne faut pas croire, hein, qui n'y croient pas tellement. Et oui, c'est vrai. je reçois des gens maintenant, des gens, je n'aime pas dire des clients, pour moi ce ne sont pas des clients. Je reçois des gens sur les marchés ou bien qui m'appellent, qui trouvent mon numéro. Ah oui, et puis je leur dis, mais c'est dommage. Il fallait la crise pour que vous puissiez revenir vers la plante médicinale. Parce qu'il y a une chose que je dis tout le temps, même dans mes conférences, même aux personnes à qui je faisais les formations, et même les gens qui viennent vers moi, je leur dis, notre plus gros défaut maintenant, c'est que nous attendons d'être malades pour nous soigner. C'est vrai. Alors que généralement, nos guingans, nos grands-parents se soignaient toute l'année. Ne pas être malade. Moi, mon plus grand souvenir, c'est quand je sortais à l'école, il y avait une pluie, on aimait jouer sur la pluie. On prenait du temps pour rentrer à la maison, on jouait sous la pluie. À l'époque, les canots, c'était des grands canots avec l'eau claire, on jouait au petit canot, au petit bateau. Mais quand on arrivait à la maison, il y avait déjà le thé chaud Voilà. avec de la chandelle, le Vicks, ou bien quelle que soit la préparation. Tout de suite, on s'essuyait, on buvait notre thé chaud et on était frictionné, on était bien machin et au lit. Donc, on n'avait pas le temps d'attraper la grippe, la trêve. Tandis que maintenant, tant que la personne ne tousse pas, n'est pas malade, eh bien, cette personne ne cherche pas à se soigner. Ouais. Je rappelle à toutes ces personnes qui nous écoutent que les plantes médicinales soignent, mais après, c'est un petit peu plus long. Mais généralement, on se soigne, donc c'est préventif. D'ailleurs, même la médecine dite moderne parle beaucoup de prévention. Absolument. Prévention. Donc, on se soigne pour ne pas être malade, normalement. Voilà. Et c'est vraiment l'objectif de Guyane Immunité. Hein. Alors, c'est le titre qu'on a donné, c'est ça, c'est de renforcer les défenses immunitaires grâce aux plantes médicinales. Donc, attention, on ne parle pas du fait qu'on développe un remède COVID. Il faut que les gens soient bien, qu'on soit bien clair là-dessus. Ce qu'on veut, c'est mettre à contribution les plantes pour nous complémenter notre alimentation, finalement, parce que ça sera sous forme de tisanerie, principalement, que généralement ces plantes sont consommées. Donc, comme vous dites, en prévention pour renforcer le système immunitaire pour qu'il soit plus aptes à se défendre contre des attaques virales ou d'autres pathologies. Et à la base, comme vous dites, effectivement, une complémentation avec les plantes, elle doit se prévoir, s'anticiper pour éviter d'arriver au stade où on doit traiter directement les symptômes de la maladie et voire plus grave, quoi, l'aggravation de cette maladie-là. Donc, bien évidemment, il y a des plantes, comme vous nous l'avez échangé, qui sont curatives aussi, hein, ça existe, les plantes curatives. Mais voilà, il y a des précautions à prendre et c'est un peu ce que Guyane Immunité va mettre en avant dans le livret qu'on va construire avec vous. Le livret pédagogique qui va accompagner les coffrets va permettre de dévoiler en fait les doses traditionnelles et mettre l'accent sur les doses traditionnelles préventives et parler également de ces doses qui sont curatives, tout en mettant en avant les précautions à prendre à l'emploi de ces plantes-là. Alors, Donc ça sera un travail très important du projet. il y a des gens parfois qui ont des doutes. Donc, je vais vous expliquer. Parce qu'une fois, il y avait
une émission, à l'époque, ce n'était pas Guyane la première, c'était RFO. Et il y avait Madame Marie Fleury. Ah, je crois qu'on a perdu la connexion. Allô? Je fais un coucou, je suis sûr qu'elle est branchée. Ça y est, on est là, on est de retour. Donc, je disais qu'il y avait Madame Marie Fleury, il y avait un professeur qui était venu pour le COVID et un médecin. Et le petit poussé, c'était moi. Parce qu'autour de moi, il n'y avait que des diplômés. Et j'ai posé la question, et les gens craignent que le fait d'être sous prise d'un médicament qu'ils ne peuvent pas prendre, soit une tisane, etc., à côté. Donc, je les explique que je l'avais posé la question à la radio, donc quand même des milliers de personnes m'ont entendu, et ils m'ont répondu que ce n'était pas incompatible, au contraire, c'était complémentaire. C'était complémentaire. Simplement, il y a des précautions. Par exemple, si quelqu'un qui prend déjà des comprimés anticoagulants, certains temps que cette personne ne doit plus utiliser. C'est sûr. Parce que si prendre des comprimés anticoagulants et prendre tel que le curcuma ou le vinaigrette qui est là pour fluidifier le sang, après le sang, ça peut tourner en eau. Juste une petite piqûre d'aiguille. Et cette personne n'arrête pas de saigner, peut-être qu'on n'arrivera pas à arrêter son saignement. Donc, sauf qu'il y a, comme on dit, il y a les plantes, il faut savoir les doser, il faut respecter les dosages, c'est comme les comprimés, il faut savoir les manipuler. Sinon, très peu de fois, pour le moment, de mon côté, je n'ai pas eu, depuis le jour que je pratique, de retour négatif, sinon quelqu'un à qui j'ai donné des conseils ou qui a acheté mes produits, qui a eu des effets secondaires. Là, c'est très important. Oui, il y a un commentaire justement de Muriel Rava-Auguste qui nous suit et qui dit entièrement d'accord avec vous, monsieur, et je vis en France et je continue les recettes de grand-mère, de mes arrière-grands-parents aussi et de ma mère. Une vraie encyclopédie. Il y a aussi ce que nous mangeons. Notre façon de penser joue aussi beaucoup sur notre état de santé. L'amour est finalement le vrai guérisseur. Qu'en dites-vous, Marc Mogès? Oui, l'amour des plantes, c'est une bonne chose. Et puis, faut y croire. Il faut voir quand on va, si on va prendre et puis lui dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va? Du moment qu'on n'est pas bien dans sa tête. Parce qu'après, il faut être en harmonie avec ses prophètes. Mais si on a des doutes, on n'est pas en harmonie, comme la médecine médecine moderne, conventionnelle, ça peut ne pas marcher aussi, du moment qu'on a des doutes. Ensuite, je dis aux gens, chaque corps, nos corps sont vraiment différents. Et un remède qui peut marcher sous 3 jours pour une personne ou peut faire quelque chose pour cette personne ne peut pas aller guérir une autre personne. Parce que nos systèmes immunitaires ne sont pas les mêmes. Absolument. Pour l'autre personne, il aurait fallu un traitement plus long. Voilà. Et d'autres personnes, un traitement plus court. Mais simplement, oui, quand on a l'amour des plantes, ça guérit énormément. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment avec cet amour des plantes et cet amour de la nature et l'amour de nous-mêmes, finalement, de croire qu'on est en symbiose avec ce tout, qui fait qu'on se lance dans ce genre de projet en Guyane et qu'on a envie que ça se développe pour notre territoire. Justement, par rapport à ça, Monsieur Mogès, comment vous voyez de potentielles retombées économique sur la Guyane en mettant en place ce type de projet comme Guyane Immunité? Alors, moi, je le vois de deux manières. Donc, comme je l'exposais tout à l'heure, ce sera la multiplication des productions en plantes et aussi du côté nutritionnel. Parce que nous pouvons nous soigner en mangeant. C'est ce qu'elle disait, voilà. Soigner, en mangeant, nous pouvons nous soigner. Oui. Et retrouver dans nos assiettes des produits, sans tous ces produits phytosanitaires, etc., tout ce qui... Et
des produits qui nous permettent, des produits sains, qui nous permettent de nous soigner en mangeant et aussi de changer pour certains produits notre manière de cuisiner. Notre manière de cuisiner, et parce qu'on peut se soigner. Des fois, on vous dit de prendre telle chose, par exemple de la lentille. Ça, ce sont des légumes secs. Ce sont des légumes secs. Vous mettez au feu. Une fois que ça devient mou, il faut arrêter le feu. Il faut que ça soit craquant. Et c'est là qu'on peut manger et en même temps soigner, se soigner si on est anémié. Mais si on fait trop cuire, là, ça perd toutes ses vertus. Haricots rouges, c'est pareil, c'est légumes secs. Donc, nous avons les légumes secs. Il y a une cuisson pour les légumes secs. Quand nous faisons aussi même nos légumes verts, tels que concombre, concombre, salade, etc., il y a une manière, il y a une cuisson. Mais quand nous faisons cuire et que nous faisons fondre, ça perd ses vertus. Donc, il nous faut aussi changer notre système nutritionnel. Et de par ce projet, voir avec les agriculteurs et tout, même ceux qui sont maraîchers, leur manière de traiter et les produits à nous proposer. Tout à fait. À nous proposer pour que en mangeant, on se soigne. Et à côté, nous avons ceux qui vont multiplier les réseaux de plantes médicinales. Exact. D'ailleurs, on a rajouté donc un coffret dans lequel vous avez la sélection clé des plantes médicinales qui ont été choisies par les experts, mais on a rajouté cet aspect de rajouter des graines ou des plants pour pouvoir disséminer aussi ces plantes-là à travers le territoire, faire en sorte que les gens plantent par eux-mêmes. Et on a fait ce partenariat avec Graines Pays, qui est une maison des semences bio du terroir des Grandes Antilles et de Guyane française, et qui va fournir le projet pour qu'on puisse rajouter des graines dans les coffrets des gens qui auront choisi ce package complet pour pouvoir... Donc, il y aura du giraumon, il y aura des tomates bio, il y aura… Voilà, donc complémenter aussi avec une alimentation saine venue de semences biologiques et avoir notre coffret de tisane de plantes médicinales. Donc, ça a été une volonté aussi de ce projet-là de ramener à ça aussi l'alimentation saine biologique, exemple de pesticides, avec ce traitement, enfin cette thérapie au naturel en prévention des épidémies, etc. Donc, voilà. Claudiane, je te laisse… On continue aussi. Est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas à nous poser des questions. Alors, du coup, on entend bien, c'est bon? Oui, on t'entend. Alors, je voulais juste savoir dans comment c'est dans le cadre du projet Gain Immunité. On a sélectionné en fait des plantes qu'on estime qui permettent de stimuler, de renforcer notre système immunitaire. Et vous, dans le cadre de cette sélection, sur quoi vous êtes basé, sur comme critère avec les autres experts, sur quoi vous êtes basé comme critère pour pouvoir sélectionner en fait ces plantes? Parce que ces plantes, ce sont les plantes que j'utilise depuis des années. D'accord. Et après, il faut comprendre que la plupart des plantes que nous avons sélectionnées, ce sont des plantes amères, qui ont une certaine amertume. D'accord. Et tout ce que nous avons comme plante qui a une certaine amertume, ce sont des plantes qui renforcent le système immunitaire et qui combattent pas mal de maladies, dont le diabète. D'ailleurs, quand on parle des plantes, on voit souvent le diabète revenir. Mm-hmm. Ouais. Parce que ces plantes-là soignent le diabète. D'accord. Et on voit souvent revenir le diabète. Parce que nous avons toute une grande panoplie de plantes. Et les plantes les plus répertoriées, les plantes que nous avons le plus, ce sont des plantes qui ont toujours ce petit côté amer. Amer. Nous avons des plantes qui sont comme ça, qui ont des petits goûts. Mais après, ces mêmes plantes, il faut savoir augmenter le dosage pour avoir l'amertume. Ok. Ça dépend de ce qu'on veut traiter, de ce qu'on ne veut pas traiter. Ok. D'accord. Mais ces plantes-là, nous les avons parce que non seulement ce sont les plus utilisées que moi j'utilise depuis des années et qui ont toujours fait leur preuve, mais il faut savoir que toutes les plantes pratiquement que nous avons choisies, et pratiquement la plupart, je dirais même 80% des plantes médicinales, sont des plantes qui ont tous
ce petit côté amer. Amer. OK. Donc aujourd'hui, on a abouti, Claudiane, à une quinzaine de plantes sélectionnées pour le livret qui va être décrit, hein, l'ensemble des recettes, la posologie, les informations sur la chimie, la biologie, les traditions, les précautions. Donc tout ça va être référencé, cette quinzaine de plantes va être référencée dans le livre. Par contre, on a aussi fait une sélection clé. Pour le coffret et sur cette sélection clé, peut-on échanger, Monsieur Mogès, sur pourquoi cette sélection clé? Quelle est Pourquoi pour vous, pourquoi on a mis celle-là en avant? ces cinq-là qui sont mises en avant par rapport aux 15 autres, qui Alors, sont moins, pas moins importantes, mais. non, mais ce sont celles que nous allons, vu le projet, le temps limite que vous êtes donné, ce sont les plantes que nous allons trouver le plus facilement en quantité. Voilà. Hein? Ce sont les plantes qui sont les plus courantes. Oui. Bon, nous avons sur le coffret, sur le livret, nous allons mettre les photos, etc., comme d'habitude. Et après, justement, l'idée, ce serait de trouver des plantes qui sont en voie de disparition, qui sont chez des particuliers, hein, des gens qui ont leur machin, et puis qu'on ne trouve pas aussi facilement. Tout à fait. Donc, nous avons sélectionné les plantes où nous sommes sûrs que pour le départ du projet, que ces plantes-là seront disponibles. Tout à fait. Là, il faut bien comprendre effectivement qu'il s'agit d'un projet pilote, hein. On est en train de mettre en place la filière. Donc, dans les indicateurs de sélection par les experts, donc on a laissé les experts sélectionner plusieurs plantes médicinales qu'ils ont l'habitude d'utiliser, dont ils connaissent l'efficacité pour certains symptômes qu'on avait identifiés, que ça soit fièvre, inflammation, problèmes respiratoires, etc., etc. Toxicité aussi. On a éliminé certaines plantes par rapport à leur haute toxicité pour ne pas prendre de risques et rester dans une sécurité d'emploi de ces produits-là. Mais voilà, à la fin, une fois qu'on avait cette sélection-là, on a dû resserrer l'entonnoir pour lancer le projet sur la partie production parce qu'il fallait s'assurer qu'on ait un approvisionnement stable. Et c'est vrai que vous savez qu'en Guyane, il n'y a pas encore de mise en culture réelle des plantes médicinales à large échelle. Et donc, ça permet de sélectionner au moins cinq plantes qui pourraient faire l'objet de mise en culture chez des agriculteurs qui ont des parcelles disponibles. Donc déjà, ça lance une première étape. Et par la suite, une fois qu'on a fait cette preuve de concept avec ce projet pilote court terme, bien, on peut rentrer dans une phase commerciale où on diversifie les coffrets et où on amène d'autres plantes qui étaient plus rares, mais qu'on remet en culture et qu'on permet de refaire vivre sur le territoire. Donc c'est ça vraiment l'objectif final du projet, notamment. Ensuite, on se demandait aussi, est-ce que vous pourriez peut-être nous citer quelques exemples de plantes du quotidien que vous utilisez justement dans vos pratiques courantes qui vous sont demandées régulièrement? Peut-être quelques exemples. On ne va pas délivrer la sélection parce que, comme on a expliqué aux internautes, c'est très délicat. On veut préserver les ressources locales, donc on ne veut pas qu'il y ait un acharnement sur ces ressources-là comme ça à court terme. On veut le faire de façon écologique et respectueuse. Mais quelques exemples de vos pratiques sur les plantes les plus utilisées en Guyane et qu'on vous réclame très souvent, notamment. Alors, on ne réclame pas de plantes, mais quand on me dit, par exemple, avant-hier, il y a une dame qui m'a appelé, elle est affolée, sa fille a attrapé la dengue, et rien de concret, rien de machin, elle tremblait, elle a fait tout. Et donc, là, ces 5 dernières semaines, j'ai eu à traiter ce cas de dengue, donc j'ai une co composition d'amertume que je fais. D'accord. Alors, il faut savoir, nous avons été élevés avec la mer. Nous, les enfants, on le faisait, pour nous, on faisait au quinquina. Ensuite, il y a eu le vermouth. Et les grands-parents, les grandes personnes, c'était du rhum. Il y a 1 an et demi, je me suis posé la question. J'ai dit, mais pourquoi donner aux enfants le goût de l'alcool de leur temps d'enfance, et comment faire pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai lancé, ça a pris, maintenant, les gens me réclament, m'appellent pour me demander, et c'est très bien vendu, c'est que je fais de l'amer à base d'eau. Voilà. Donc, au lieu de mettre à macérer dans l'alcool,
je fais bouillir. Voilà. Je laisse refroidir et je mets dans des bouteilles et que je vends pour les personnes. Donc, ce que j'ai donné à cette dame, c'est une composition que j'ai mise en place d'amère. Je ne donnerai pas, parce que je n'aime pas trop donner. Quand je donne, j'aime que la personne soit en face de moi. Mm-hmm. Si je lui prépare, même si je ne prépare pas la bouteille, mais les plantes, je lui donne, mais je lui prépare le dosage nécessaire. Parce que vous savez, des fois, quand vous donnez, les gens, des fois, ne comprennent pas très bien. Ils peuvent faire du n'importe quoi et s'intoxiquer. Tout à Donc, fait. Donc, il y a déjà un truc qui est très répandu, et surtout ces jours-ci. Tout à Là, fait. Est très, très demandé. Ensuite, j'ai des remèdes pour pas mal, ce qu'on appelle calcul rénal, hein, pour les messieurs. Donc, j'utilise ce qu'on appelle barbchat associé à une autre plante. Les programmes de prostate, par exemple l'hypertension, j'utilise beaucoup ce que nous appelons le douvant-douvant. Mm-hmm. Bon, pour les gens qui souffrent d'insomnie, j'utilise les feuilles de manjoli associées au doliprane, feuilles de doliprane, et aussi associées à ce que nous appelons le moubenzamaï. Donc vous voyez, voilà, pas mal de plantes et diversifiées que j'utilise. Oui. Et c'est très intéressant parce que effectivement l'alcool, c'était vraiment intuitif de penser à ça. Effectivement, c'est pas tout le monde qui peut en consommer et qui a envie d'en consommer. Et c'est intéressant parce que nous, on est spécialisés dans l'extraction justement chimique du végétal. Et ça, effectivement, on peut atteindre en fait les mêmes propriétés que la capacité de l'alcool à retirer les plantes, les actifs d'une plante. En faisant effectivement bouillir l'eau, on arrive à une, ce qu'on appelle en fait une compatibilité du solvant, donc ce qui nous permet d'extraire le principe actif. En jouant sur la température de l'eau, on arrive à une similarité avec l'alcool. Et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir vérifier grâce au laboratoire sur cette filière-là, justement, qu'on est en train de mettre en place. On va faire des dosages de contrôle qualité pour regarder un peu les profils chimiques qu'on obtient des extraits de ces plantes qui auraient été sélectionnées en fonction des recettes traditionnelles et voir si on peut adapter ensuite ces recettes-là à quelque chose de beaucoup plus conventionnel et adapté à tout le monde, à tout un chacun. Et c'est ça qui va être intéressant parce que ça va amorcer ce genre de recherche-là en parallèle, de contrôle qualité aussi de nos bioressources et ça va nous apporter des données pour pouvoir imaginer des transformations plus élaborées de ces plantes-là et arriver à des produits plus high-tech encore, mais qui contrôle en fait vraiment la sécurité du produit et sa haute qualité en molécules actives finalement. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on le voit sur l'aspect pratique, vous y avez pensé immédiatement. Nous, sur l'aspect chimie, on peut vraiment apporter un background scientifique aussi à ce genre de pratique-là, par exemple. Donc c'est très, très intéressant. Il y a une question aussi. Est-ce que les plantes de la sélection sont toutes originaires de Guyane? Parce qu'il existe de nombreuses plantes de la Caraïbe qui ont été introduites et qui sont cultivées ici. Alors, il faut savoir que nous avons pas mal de plantes qui nous viennent d'ailleurs. Vous savez que nous sommes plus près de l'océan Indien. Et il y avait le jardin du roi. Donc, le jardin du roi, c'est où se trouve le jardin botanique. Et le jardin du roi, à l'époque, ça recouvrait. Donc, vous voyez où est le jardin botanique. Ça faisait tout Montabeau. Ça faisait Baduel. Ah oui. Ça ressortait jusqu'en face du service technique. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Ok. Et ensuite, ils l'ont transformé en jardin d'essai. Et nous allons retrouver pas mal de plantes qui nous viennent d'Asie, etc., parce que c'était plus près. Nous étions les plus près. Qui ont été au jardin d'essai et ensuite qui ont été dispatchés vers les Antilles, machin, tel que le fruit à pain, la première fois où il y a eu une plantation de fruit à pain, c'était en Guyane au jardin d'essai. D'accord. Pour voir le jardin d'essai, pour voir comment ces produits-là se comportaient, ces herbes, ces plantes, etc. Et ensuite, il y a eu le dispatching. Ensuite, nous avons eu la collaboration des autres personnes qui sont arrivées en Guyane et qui ont mis dans leur valise des plantes d'Haïti,
de Martinique, de Guadeloupe, de Chine, etc. Ce qui fait notre grande richesse. Ensuite, nous avons des plantes naturelles propres à la Guyane qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous voyez? Tout à fait. Et du coup, dans cette sélection, est-ce que, justement, dans la sélection, si vous vous rappelez les quinzaines qu'on a sélectionnées, est-ce qu'on a un petit peu ce dispatch d'origine, là, ce melting pot d'origine? Oui, oui, nous avons ce melting pot d'origine. Nous avons le Norchat. Est-ce que le vinérai, on n'en trouve pas partout. Nous avons eu cet apport de Poichy, du nom de l'esclave qui l'a emmené d'abord au Suriname et ensuite ça a été transféré en Guyane qu'on ne trouve pas partout. Donc en fait, de l'Afrique, cette plante est devenue presque propre à la Guyane. Et je vais dire, rajouter une chose. Quand je vois qu'on fait des études, etc., il y a une bière en Allemagne. C'est une bière brune. C'est quelqu'un qui m'a fait remarquer ça une fois. Dans cette bière, il y a du Poichy. Et c'est pourquoi cette bière ne ressemble pas aux autres. Il y a vraiment le petit côté amer. Amer. Dans cette bière, ouais. Il y a du Poichy. Alors, préparez-vous, hein, tout le monde, vous aurez des magnifiques saveurs amères dans votre coffret. Alors, préparez vos langues. Les saveurs amères amazoniennes, c'est pour bientôt. Savoir maîtriser, ça se maîtrise. Parce que après, je dis, quand je fais les amères, ce n'est pas la peine de faire un produit qui n'est pas consommable, qui soit... Non, absolument. Non, puis c'est des choses qu'on peut travailler justement subséquemment hein, sur la saveur même du produit, sa sensorialité et arriver justement à des transformations subséquentes et à progresser en expertise sur la consommation de nos plantes et qu'elles soient agréables pour tous, même s'il y a cette amertume et qu'on puisse améliorer des recettes, etc. Ça, c'est des choses que, une fois que la filière elle est bien solide, ben, ça donne des idées sur plusieurs aspects et plein de personnes pourront s'investir dans cette filière-là et différents corps de métier, dont des formulateurs notamment. Oui. Donc, c'est ça l'objectif. En tout cas, ben, merci beaucoup, Monsieur Mogès. En fait, donc du coup, on pourrait conclure. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, parce qu'on a Monsieur Mogès, il faut en profiter. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part, M. Mogès? Est-ce que les gens peuvent vous contacter? De quelle façon? Bon, les personnes qui sont habituées, ça connaissent mon numéro, c'est 0-14-90-92-39. Et puis, il y a d'autres qui savent que je suis sur le marché de Montjoly le jeudi. Là, à partir de ce samedi, je serai au Bananier. D'accord. Au Bananier, d'accord. Se trouve sur la route de Montabo. D'accord. Et le mardi, je serai au marché de Badiel. Le mercredi, au marché de Matoury. Voilà. Et il y a des gens qui préfèrent ne pas aller au marché, mais qui passent commande, donc qui m'appellent sur mon numéro. Ils peuvent prendre contact directement avec vous en venant vous voir et après ça, en établissant un contact. Tout à fait. Vous avez une page Facebook où on peut aussi vous contacter. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux? La vie nous gongon. La vie nous gongon. Tout collé. Tout collé, la vie nous gongon. On va mettre ça en commentaire pour que vous puissiez retrouver de toute façon la page Facebook de M. Mogès. Et n'hésitez pas à le rencontrer sur les marchés locaux en Guyane. Il va dans plusieurs communes, donc profitez-en pour aller rencontrer justement M. Mogès en direct sur ces marchés-là. Et ça permet de faire vivre aussi nos marchés locaux, de montrer qu'on a cette expertise qui est présente sur les marchés et pousser la vie des marchés également avec cette partie plante médicinale. Je trouve ça très important. On va mettre en avant dans ce projet les producteurs locaux. On va pouvoir avoir un recensement de ces producteurs-là donc pour démarrer cette filière, permettre de mettre en culture en fait les sélections clés qu'on aura pour le premier coffret pilote. Donc, on vous rappelle, on est on a déposé ce projet-là à l'appel à projet de la CTG Flash COVID. On a réuni un panel d'experts autour de nous composé de 8 experts, dont M. Mogès. Et ce panel, donc faut savoir qu'on a eu une très bonne nouvelle la semaine dernière. On a reçu un avis favorable de la CTG pour financer le projet en complémentarité de l'apport du public, parce que le public on a collecté en moins d'une semaine et demie
les 100% de ce qu'on visait pour le montage financier du projet. Donc, 8 000 euros, c'était ça qu'on visait au départ. Et là, pour commencer et aller plus loin, en attendant l'arrivée des subventions et permettre à l'entreprise de continuer à développer le produit rapidement, on vous propose d'atteindre le 200%, donc 16 000 euros avant donc la fin août. Donc, on vous invite à continuer à contribuer, à commander, à faire des précommandes en fait de vos coffrets et ainsi nous permettre, nous, de continuer le projet sans attendre l'arrivée des subventions qui peut avoir certains délais. Donc, du coup, nous, ça nous permet d'avoir du cash flow pour travailler avec les experts, pour acheter les plans, l'approvisionnement chez les producteurs locaux et les valoriser et commencer cette production. Dans la production, on a fait aussi un partenariat avec le PAOC, donc c'est le pôle d'agrotransformation de l'Ouest de la Guyane, qui a un atelier de transformation qui va pouvoir être adapté à la transformation de ces plantes et à leur normalisation. Puis ensuite, les plantes vont être conditionnées dans un coffret, dans une box, et standardisé avec un contrôle qualité de notre laboratoire qui, lui, est basé au campus. Là, donc, M. Mogès est actuellement au laboratoire avec notre directrice des opérations, Claudiane Flora. Et donc, on va faire un contrôle qualité à chaque étape pour permettre de générer des données en même temps, des données appliquées sur ces plantes-là qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin après sur le projet. Donc, voilà, le pilote se déroule jusqu'à décembre. On prévoit une première production en septembre et donc normalement les 100 premiers coffrets vont être livrés à ce moment-là. Il y a aussi les masterclass, vous pouvez vous adhérer aux masterclass et là Monsieur Mogès va intervenir, Monsieur Prévoto, Marie Fleury, tous ces experts qui auront contribué au projet vont contribuer aux masterclass pour vous former, vous conscientiser, vous donner les clés d'utilisation de nos plantes traditionnelles, de nos remèdes traditionnels, des recettes, etc. Donc, bonjour, où peut-on commander les coffrets? Alors, je pense que c'est Marie-Claire ou en tout cas M-Claire Prudent. On vous invite à vous rendre sur le lien qui est juste en dessus de votre commentaire dans le fil de commentaires, kisskissbankbank.com, le projet Guyane Immunité. Vous pouvez taper aussi sur Google directement Guyane Immunité, vous allez tomber sur la plateforme de collecte. Et en fait, ce sont comme des précommandes. Mais il faut bien comprendre que ce crowdfunding, on l'a fait, c'est pour dire au public, vous êtes acteur. On n'a pas, nous, entreprise, à assumer tout ça. Okay? Vous aussi, vous devez contribuer avec nous à vouloir développer ce type de filière sur notre territoire. Et c'est pour ça qu'on a fait ce crowdfunding, pour que vous puissiez investir. Vous êtes des investisseurs sur ce projet pilote. Vous allez contribuer à son succès en faisant des dons. Et donc, oui, il y a des contreparties qui peuvent correspondre à des précommandes, mais il faut vraiment garder en tête que vous êtes investisseur du projet. Ce n'est pas comme une commande sur Amazon, là. Vous mettez des sous pour que nous, on puisse avoir des sous pour travailler, mettre en place cette filière et vous donner une contrepartie qui sera le résultat du pilote du projet. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Vous êtes acteur en contribuant à ce projet-là. Donc, merci pour tout. Merci, M. Mogès, de votre contribution à ce live, mais aussi de votre contribution à la Guyane, à tout ce que vous avez fait. Pour ceux qui ne vous ont pas dit merci, moi, je vous dis un gros merci parce que vraiment, on a besoin de vous. On a besoin de personnes comme vous qui faites le transfert de cette information-là à la nouvelle génération, que nous, on puisse prendre conscience aussi de l'importance de faire perdurer ça et de travailler fort à ce que ça soit maintenu dans le futur. Et merci pour tout. Merci aussi dans la contribution du projet parce que sans votre expertise, on ne serait même pas allé si vite de toute façon avec les autres experts. Vous avez déjà fait un travail énorme. Nous, on est juste là pour essayer de le valoriser à travers ce projet-là et en faire quelque chose de plus grande envergure peut-être, mais c'est-à-dire plus concrétiser la filière économique qui pourrait aboutir par la suite. Donc, merci pour tout. Merci à tous. Il y a quelqu'un qui demande quand est-ce qu'il y aura les masterclass. Les masterclass, on les prévoit un peu avant les fêtes donc, de décembre. D'abord, nous, on focalise sur la production, sur la mise en place de la transformation, sur la chaîne de valeur. Et ensuite, on fait les masterclass pour vous faire une restitution du travail qui a été effectué. Et donc, vous former à la sélection qu'on a faite, au livret, comment le comprendre, comment l'utiliser, etc. Et il y aura une masterclass Team Moon qu'on a rajoutée dans les contreparties parce qu'on pense effectivement que les enfants sont l'avenir. Les enfants de notre territoire, il faut tout de suite les reconnecter à l'utilisation courante des plantes.
qui sachent reconnaître certaines plantes clés, qui sachent comment les consommer. Je pense que nos enfants sont totalement capables très rapidement d'assimiler ce genre de données-là. Et donc, on trouve que c'est très important de les inclure dans ces formations-là aussi. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, on peut vous donner encore quelques minutes. N'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, on va conclure et vous pouvez toujours écrire à Monsieur Mogès en direct et aller surtout le voir sur les marchés Cayenne, Montjoly, Matoury. Comment devenir producteur, on me demande. Déjà, il faut avoir la terre. Il faut avoir la Il faut terre. avoir un terrain. La terre. Et puis, par la suite, pourquoi pas, on peut très bien mettre une chaîne de collecte, voir Absolument. avec les personnes, aider les personnes qui, peut-être financièrement, ne pourront pas acheter des plantes, mais mettre une Absolument. chaîne, savoir. Qu'est-ce que cette personne veut produire, voir avec elle, et ensuite l'aider à À avoir ça. Mais collecter, ouais. gracieusement, trouver des plantes, on peut très bien aider quelqu'un qui voudrait, même si ce n'est pas une grande parcelle, mais on pourrait très bien, à base de collecte, de bénévolat, demander aux gens qui ont des plantes une petite bouture, etc., et aider cette personne à devenir producteur. La personne Absolument. n'aura pas besoin dès le départ, du moment qu'elle a une petite parcelle où elle peut faire, je sais pas, faire le choix d'une plante. Parce qu'après, il ne faudra pas trop se diversifier, faire plusieurs plantes. S'il faut que cette personne, par exemple, cette personne veut intégrer le projet, ce sera bien spécifié quelle plante, et à ce moment, l'aider à trouver les plantes qu'elle n'ait pas à avoir à dépenser des centaines et des milliers. C'est très intéressant parce que ce que vous dites, c'est, eh ben, ça crée un nouveau maillon dans la chaîne, un nouveau métier. Ça peut être source d'emploi pour quelqu'un de devenir un peu cet intervenant intermédiaire entre le producteur qui, lui, focalise sur sa plantation, sur la mise en culture, et cette personne qui essaye de regrouper les approvisionnements, de recenser, de travailler sur les procédures de collecte respectueuses de l'environnement. Et ça, c'est un métier. Ça peut complètement remplir l'activité entrepreneuriale de quelqu'un, par exemple. Donc, c'est typiquement, voilà ce qu'on veut aboutir. C'est ça, c'est là où on veut aller en termes de retombées pour le territoire. C'est typiquement ça. Ça, c'est un exemple pratico-pratique. Voilà, donc, Réjeanne, si ça peut vous stimuler sur votre application dans cette filière, ben voilà, ça, c'est un corps de métier qui sera nécessaire pour maintenir la filière et faire des maillons, des chaînes jusqu'à la transformation finale qui va au grand public. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont contribué déjà à la collecte, car sans vous, on n'aurait pas pu commencer. On avait déjà investi 22 500 euros en termes d'entreprise sur le démarrage du projet. Là, ça nous donne un souffle pour continuer et avancer avant l'obtention des subventions. Mais très bonne nouvelle, on a eu ce support de la CTG. Donc, on va certainement pouvoir aller vraiment sur la grande envergure qu'on a déposée à l'appel à projet Flash COVID. Et puis ensuite, le but pour nous, entreprise, c'est de consolider la filière et de continuer à développer de nouveaux coffrets, de nouveaux produits à base des plantes médicinales de Guyane. Donc, c'est un démarrage et merci pour tout parce que c'est grâce à vous qu'on a pu démarrer. Merci, Monsieur Mogès. Merci, Claudiane, pour votre intervention aujourd'hui. À très bientôt sur les ondes. Bye bye!